fait. Je sais pas. Allez, je lance le live. C'est lancé. Ah, moi, il me dit que t'es en live, mais il me dit pas. Salut tout le monde. Ah, c'est... Salut, c'est bon, tu le vois. Ça y est, j'y vois. Tu y vois, alors c'est impeccable. Salut à tous. J'ai oublié d'allumer la lumière. Donc, forcément. Voilà. Bienvenue. Bienvenue ce soir. On retrouve la team LSF. Ça change un peu. Et je suis avec Dams qui va commenter cette deuxième course de la Summer Cup avec moi. Et on est ce soir à Nevers Magny-Cours. On a 27 ou 28 pilotes. Ce qui est quand même pas mal pour une Summer Cup. Et puis voilà. On va passer une heure ensemble. Eh ben salut à tous. Salut Drazin, bienvenue. Salut à toi. Alors la première manche, on était sur le circuit Bugatti, on était au Mans pour cette première manche. On avait seulement 20 pilotes et malheureusement, ça avait été un peu l'hécatombe. Hein. On en avait perdu 6, hein. Donc on a terminé à 14. Ça veut dire que le classement... général, vu le nombre de pilotes ce soir, il va pas être tellement significatif. On va quand même surveiller la tête de ce classement. Hein. C'est Vortex 56 hein, qui avait remporté cette première course. À la P2, on a Gollum 67, Damumu à la P3 et c'est Manu Grimnini qui était quatrième. Salut Snix, salut Kevin, salut salut. P5, c'était Pierre-Yves. On avait Alex à la P6, Michael Sacco, pardon, 7e, Thierry, 8e, Nicolas Berger, 9e, Fred H, 10e, R1, Pierre, 12e, et Nofra, 13, ensuite Miko, et puis donc on avait eu des abandons, Olivier Mignon, Tonchmax, Babet, Frogger, et Max B qui avait été disqualifié, voilà. Donc on va quand même surveiller surtout la tête là, de classement, Vortex, Gollum, Damumu. Et hop. Puis quoi vous Tiens. Dire d'autre, donc je voilà, tu on a 10 minutes de qualif il me semble. Alors tu m'as dit quoi Dams? Je te l'ai mis le classement. Ok, ah ouais, alors attends, parce que là je suis pas sur la bonne vue, on va aller de toute façon, on va passer en piste. Et on va, normalement ça doit marcher si j'inverse les deux vues. Ça ne fonctionne pas, super, ça va être mieux comme ça. Mais c'est pas mal là, comme ça tout noir. Voilà. Ah, c'est joli tout noir. Et on a. Voilà le classement. Alors attends. Pour l'instant, les pilotes sont en briefing avec Titom. Et on devrait passer en qualif dans un instant. Alors par contre, je ne vois pas. C'est moi, j'ai fait une boulette. Voilà, des petits ajustements. Deux dernières minutes. Ah ouais, grave. Si je te le passe comme ça, est-ce que c'est mieux? Voilà, nickel. Voilà, comme ça, vous avez... Alors par contre, c'est peut-être pas une idée que j'ai affichée, mais... Hop, on va effacer ça. Ouais, c'est un peu mieux, la qualité d'image.
Voilà, vous avez le nombre de points. Le classement à l'issue du Bugatti. On a 6 manches, hein, normalement. Alors, ils étaient quoi? Ils étaient 20 au départ. Ils étaient 20, ils, ouais. Et puis, il y a ils eu. Ont 14, ils ont fini à 14. Ouais, là, ce soir, on est beaucoup plus nombreux. 27, il me semble. Ouais, 29, je vois même 29. Il y a des gens qui sont rentrés, toi, il y a deux pilotes qui sont rentrés là pendant le brief. Ils sont 29. Très bien. Ouais, c'est bien. C'est bien. Et je... On regarde, oui, on en connaît quand même pas mal. Oui, 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 on peut faire un petit peu le. Ouais, on peut faire le tour. Hein. Donc Vortex, on l'a cité déjà tout à l'heure. Rino, je connais pas. Nicolas Berger, on en a parlé. Pierre, bien sûr, qu'on connaît. Olivier Mignon également, Vignon. Grim Chris, bien sûr, ASRT, Thierry, qu'on connaît, Mano Grimnini, Jabrin, là je ne connais pas par contre, on a Babet, qu'on connaît aussi, Crevis 42, Neom, autre pilote LSF qu'on connaît, Alex évidemment, anciennement Alex P408, Christophe Suarez, que je ne connais pas. Michael pas, Alex. Sacco, Alex, non, on fait comme si on ne le connaissait pas. Michael Sacco. Begbie, que je ne connais pas moi personnellement. Nico, Fred H. Max B. Titom, je crois que c'est quelqu'un de la LSF aussi, il me semble. Moi, c'est le vieux, là. C'est ça. Joris Lordel. Un pilote est féru. Toujours, ouais. Voilà. Damumu, avec qui on a eu l'habitude de, qu'on a l'habitude de voir aussi sur les pistes R1 également, Enofra, Tonchmax, notre cher Tonchmax, salut Laurent, bienvenue, Pierre-Yves, Frogger, que je ne connaissais pas mais qui a participé à la première manche, Thierry Laven, mais évidemment, Gollum 67, voilà, on a fait le tour des pilotes qui sont présents sur Anevers ce soir, sur le Magny-Cours, bienvenue tout le monde. Salut Chaka. Salut, salut. On attend que tout ça se mette en place. On devrait passer en qualif dans un instant. Je vais réafficher. Voilà, donc on va retenter ce soir deux vues hein, de la piste hein, avec la complicité de Dams qui va commenter cette course avec moi. Vous aurez deux points de vue de la course. On essaiera d'intervertir les caméras de temps en temps. Alors, il a l'air de se prolonger un peu, ce briefing. Ouais, c'est apparemment, ça sort. Hein. Ça sortir un peu. Ça commence à sortir un peu. Parce que là, je vois que les qualifs sont commencés. Alors, on va se mettre, voilà, ça y est, c'est parti. On voit les voitures qui sortent des boxes. On va aller avec. On va montrer Thierry. Ah bah t'as fait le même choix que moi. On va se mettre. Je vais mettre à bord de. C'est le premier qui est sorti. C'est le premier qui est sorti. Allez, moi je vais rester en vue intérieure. Laurent nous dit, j'ai acheté mon ticket, je ne pourrais pas aller, j'ai reçu une roue de camion sur la jambe. Alors c'est pas là que ça se met. Normalement. Comment dire, ça dépend. Ah bah tu me rassures. Ça a dû douiller quand même hein, parce que... Alors, Nevers Magny-Cours. On le voit pas si souvent que ça finalement ce circuit hein. Non,
c'est pas un circuit. Voilà, à la fois il est très connu et en même temps j'ai pas l'impression qu'on utilisé, le voit beaucoup dans les courses, dans les simus, ouais. Un des circuits les plus utilisés, c'est vrai, ouais. Ouais. Circuit assez intéressant, mais. On va attendre les premiers temps. La prochaine fois, Laurent, essaye de la mettre au bon endroit, la jante, avec le pneu. Ça ira mieux. C'est clair. Il s'abîmer un genou. Ah, voilà. Alors on commence à avoir des temps qui arrivent sur les premiers secteurs déjà, donc les premiers temps les premiers tours devraient arriver. Alors je suis en train de regarder les temps qui se mettent là. Ah c'est oui, il fait 4,4 km hein, quand même Manicourt. Je le voyais plus court que ça. Alors on a un premier temps 1:32 293. Voilà, ça commence à tomber. J'arrive pas à déplacer les l'overlay, là, je suis coincé. Hein. Si je réduis la fenêtre, je me retrouve avec un truc tout bizarre. Ah non, tu peux pas le déplacer comme ça, celui-là. Ouais, c'est ce que je vois. Ouais. Ouais. Il reste 5 minutes de qualif. Salut Fantomas. Bienvenue. C'est un peu merdique là, ce truc là. Ah, ça m'énerve ce machin. J'arrive pas à en faire ce que je veux. Il va me saouler lui. Du coup, j'ai aucun temps, j'ai rien. Ah, supporter de R1. R1 pour l'instant. On va lui montrer, il est là. 17ème temps pour l'instant. 16ème à l'instant. Une, si je fais... une 36-120. Voilà. On va afficher plutôt les écarts entre chaque et... J'aurais pu vous afficher les données de qualif plutôt que le driver box. Pour l'instant, ça bouge pas trop, hein. C'est toujours Jabrin. Thierry qui a amélioré un peu. Une 32 464. Alors, on voit que Pierre-Yves est quand même meilleur sur Breakfast que sur RF2. Hein.
Alors Pierre-Yves, lui, il est... Où est-ce qu'il est, Pierre-Yves? Ah oui, Pierre-Yves, oui, pour l'instant... Ah, on a une décu, là, je vois. Disqualification de grincheux. Il est en train de ronchonner. Voilà. Ah. Ils sont où, les autres, hein? Donc, on a... ouais, on a pour l'instant que 18 pilotes hein, qui ont fait des temps. On n'a pas de temps pour Vortex, notamment. On n'a pas de temps pour Olivier Vignon, pour Grim Chris. Alors, est-ce que... Tiens, on va aller voir... On va aller voir Grim. Grim qui est sur son tour de... Ouais, il est dans son tour de sortie. Hein. Donc, Ponche Max, ouais, 16e pour l'instant. Michael Salco, je sais pas, qui vient de rentrer là. En fin de temps, il vient de rentrer. Alex aussi, il roule. Michael Salco, ouais. Alors Alex, il est en tour de sortie également. J'ai l'impression que là, ce sont que des pilotes qui ont attendu le dernier moment pour sortir, pour faire un temps. Ouais. Et Homme pareil. Oui, oui. Il est en train de rentrer ses secteurs. Alors Néom, il est à 29, le premier, 39 le deuxième. Oui, alors ça c'est un coup entre la 6 et la 7ème place, 8ème place. 7ème place, s'il continue comme ça. Voilà. Au nez. Ah, on a, ouais, Vortex, ouais. 1.31.5. Une 31.5 pour Vortex. Et donc, je vous le rappelle, était le vainqueur de la première manche hein, sur le Bugatti. Alors, Vortex, moi je l'ai pas. Hein. Je sais pas si tu l'as, mais on dirait qu'il est encore au pit. Ah, moi je le. Vortex, je le vois en piste. Ah, bah moi je l'ai pas, moi. D'accord. Ah, c'est pas mal ça. Ah, bizarre. Attends. Ça y est, ah bah dis donc. Et je pense que là, Alex, il est en train de nous faire un temps pas mal du tout. Alors, est-ce qu'il peut... Je pense qu'il peut, oui, partir. Je sais pas quelles sont les règles utilisées par... Ah, alors, attends, si j'ai un automode doc qui... Hop là. Alors oui, Chaka, il pourrait... Il pourrait repartir, mais des pits peut-être alors, ou en fond de grille. Il pourrait partir, mais il faut qu'il rentre sur le serveur avant de... Avant le changement, il me semble. J'ai pas vu s'il y avait des warm-up. Alors je crois qu'il y avait un warm-up la dernière fois, hein, donc... il doit y en avoir un aussi, là aussi, je pense. Attends, je peux aller vérifier vite fait sur le... J'ai vu ça sur le Discord. D'ailleurs, alors je sais, il est revenu et théoriquement son temps a été enregistré, hein, une 33-350. Je suis en train de regarder, mais ce qui est bizarre, c'est qu'il l'a pas classé en fait. Alors attends, je vais vérifier. Ouais, il y a bien un warm-up de 5 minutes. Hein. Ouais. Je suis en train de regarder, ouais, il l'a pas classé. Alors, il risque de partir en fond de grille. Oh, mais Monsieur Grim Chris est venu se glisser à la P2 avec un 1.32.068 à 5 dixièmes de Vortex. Je vous laisse régler vos comptes hein, sur le chat. Donc on a Vortex, Grim Chris, Jabrin, Christophe Suarez et Thierry pour les 5 premières places. Alors si ça vous embête hein, de vous payer des bières, donc moi je vais vous donner mon adresse et puis envoyer le pack. On voilà. S'en occupera avec Jbruns. Ouais, il n'y a pas de souci. Il a les outils, il a tout. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'outils. Ouais, il faut un bon décapsuleur quand même.
Un briquet suffit. Un briquet suffit. Les qualifs sont, les qualifs sont terminés. Hop, normalement, si je fais les choses correctement, ça doit pouvoir s'afficher. Voilà. Oh, c'est magnifique. Vortex Grim, Jabrin, je connais pas son prénom, je suis désolé. Christophe Suarez, Thierry, Kravis, Manu Grimnini, Alex, Babé, Begby. Et ensuite, hop, Néum, 11e, Nico, Nicolas Berger, Frogger, Pierre-Yves, Pierre, Max, Thierry Daven, Dame Humu, ça fait quand même du monde. Hein. Rino, Titom, Tonchmax et Nofraire, hein. Joris, et puis on a... alors il y a un temps quand même pour Grincheux, il n'y a pas de temps pour Fredage, pour Michael Sacco, et pour Olivier Vignon, pardon. Alors on repart maintenant. Oh là là, ça sent des stands, ça sent dedans déjà. ouais, je vois ça, là ça se bouscule au portillon. On est parti pour les 5 minutes de warm-up. Pas le temps. Merci beaucoup pour ton follow, JCM. JCM 89 000, merci beaucoup. Par contre, j'avais quelques voitures qui popaient là. Ah, Fantomas, il va tout nous mélanger. Les 24 heures de spa. Les 24 heures de spa. Oui, il suit en même temps les qualifs pour les 24 heures de spa. D'accord. Alors, il y a beaucoup de monde hein, sur la piste. J'espère qu'on n'aura pas trop de lag. Ils font ça en trottinette, non? Ça descend. Ça descend beaucoup finalement à part le rayon. Ah, si ils ont une trottinette électrique, hein, ça monte. Hein. Ça le fait, ouais. Bienvenue tout le monde. Bienvenue à tous. Alors, j'ai une double page d'internet, moi je comprends pas. Ça y est. Je voyais pas. Si t'as quelques lags ce soir encore. Ouais. C'est RF2, hein, ça le fait qu'avec RF2, c'est une horreur. Bon, ça nous promet une jolie course, ça. Bah normalement oui, 30 pilotes. 30 pilotes, ça devrait être sympa. 30 pilotes, oui, si tout se passe bien au départ, ça devrait être assez cool. Donc elle fait une heure celle-là, la dernière fois c'était une heure et quart. Et là on part pour une heure. Ah ils ont réduit, d'accord. Oui. On va remettre un petit coup en vue pilote. Bon, tout le monde n'est pas sorti. Alors, apparemment, tu es sur Rhino Pharyngite. Je suis sur Rhino FRX. C'est un peu le souci, ça, c'est que je te vois pas bien du coup. Il va quand même pas falloir que je déplace le troisième écran pour. Alors, au niveau, je suis en train de regarder sur le live timing au niveau des pneumatiques. Pour l'instant, c'est du soft hein, pour tout le monde. Hop.
Ouais, alors là, ils sont sur les warm-up. Hein. Oui, on va pas se fier, on va voir en course comment ça se présente. Alors, je ne crois pas qu'il y ait de pit obligatoire. J'ai peut-être une bêtise. Attends, je vais retourner voir si vous avez l'info sur le live. Mais je ne crois pas. Allez, ça se termine ce petit warm-up, on va passer en course. Bon, Grincheux, il a réussi à re-rentrer, on le voit là. Oui, oui, ouais. Alors, il est possible qu'il parte en dernière place parce qu'il me semble pas... J'ai pas eu l'impression que le temps avait été validé. Hein. Bah, il y avait bien un temps, mais ouais. Il l'avait pas reclassé. Alors, d'accord. C'est un peu les mystères de RF2. Ah, JCM qui est venu supporter Nicolas, Christophe, Max et Pierre-Yves. Oh, Pierre-Yves, laisse tomber. Les LSF ont dû. Allez, c'est terminé ce warm-up, on va pouvoir passer en course dans un instant. Pas de pit obligatoire, d'accord. C'est vrai pas que de pitié bizarre, obligatoire, ouais. J'essayais d'analyser le truc. Ok. Quel silence d'un coup. Ah oui, c'est vrai qu'on se fait éjecter au changement. Ah ouais, oui, ça avait fait ça la dernière fois. Ah bon ? Ouais. Donc, faut re-rentrer. Je ne sais pas pourquoi. Ah putain, il faut que je re-rentre le mot de passe et tout. Ah merde. Le truc avec des lettres et des chiffres partout dans tous les sens. C'est quoi ? C'est... Attends, il faut pas que je fasse drive comme d'habitude. S'il y en a un qui a le mot de passe sur le dans le chat, s'il peut me le redonner. Vous voyez tout en direct, hein, comme on dit. Hop, in-games panel pour pouvoir sortir de ça. Voilà, ça va être bon. Ah, ça faut pas perdre de temps. Ouh là là, mais il y a un problème sur les voitures, elles brassent beaucoup. Essayer de se mettre, ouais, la dernière fois c'est pareil, c'était un peu chaud sur le au niveau du timing pour pouvoir se mettre en position. Voilà, et on part direct. Ouhou, on est sauvé par le gong. Hein. Eh ouais, je suis pas arrivé, j'arrive pas à voir la dernière ligne en fait. D'accord, bon. Alors ça a l'air de pas trop, non, je dis que ça a l'air de pas trop mal se passer. Juste à ce moment-là, on a déjà un accrochage, une sortie de piste. C'est alors, Jabrin oui. qui s'est loupé là ou qui a été poussé, j'ai pas bien vu puisque là je suis sur Vortex, on a Grimkris toujours P2, Thierry et Christophe Suarez P3, P4. Donc on a déjà un groupe là devant. Derrière c'est Babet. Alors la 06 c'était Enofra apparemment avec Fredash. Donc non, Fredash plus loin. Ah oui, on a Enofra et Fredash effectivement qui sont en queue de peloton. Donc Jabrin aussi hein, qui s'est retrouvé qui se retrouve P28 du coup. Puisqu'au bout du compte on a 30 pilotes. Et qui était dans les meilleurs temps tout à l'heure au qualif. Thierry Daven aussi, 27, on le voit là. Oh, oh là là, Thierry a... Oui. Et toujours avec Jabrin. Jabrin qui là, 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 là. Là, qui est vraiment parti à la faute. Je l'ai vu. Voilà, il est reparti quand même. Donc, 28ème. Alors, on va monter en tête de course. On va aller avec Thierry à la P3.
Il a juste devant lui Grim Chris et Vortex qui est déjà à une seconde pratiquement. Et on a une personne qui rentre au pit, hein. J'ai pas eu le temps de... C'est Joris Lordel. Ah, Joris Lordel qui rentre à son pit, oui. Ouais, Joris qui rentre, alors, peut-être sur l'accrochage au départ ou... Probablement, et oui, là, il y a eu quelques petits contacts dès le départ. Mauvaise stratégie, je sais pas, c'est peut-être loupé. Alors, on va voir si Jabrin, là, peut remonter. Alors, on a Ponchmac, là, hein, avec... Et alors, derrière, et... donc, on peut aller voir derrière... Ton Schmax, ouais, on a un groupe là déjà. Ton Schmax, Mickaël Sacco, Thierry Daven, Grincheux, on a tout un, voilà, un groupe de relativement serré, on va dire. Et ce groupe là, hein, Thierry Daven, Mickaël Sacco et Ton Schmax sont en train de remonter, hein, sur Grincheux. Ouais, Olivier Vignon. Vignon. Dame Nunu, oulala, là on a... Ah, puis alors j'ai les voitures qui pop et qui disparaissent. Ouais, ça, c'est ce que j'avais tout à l'heure, là, C'est un peu bizarre. Et on a Grincheux, hein, Grincheux qui vient de passer Olivier Vignon, mais il sera mal placé pour le virage. Oulala, là, ah, il y a une erreur de... apparemment de Dame Nunu. Alors Dame Mumu, là je suis avec Olivier Vignon. Et puis on a une voiture en vrac sur la ligne droite des stands, hein. Je sais pas qui c'est. J'ai pas eu le temps de voir. Ouais, on a un drapeau jaune, secteur 1. Ah, c'était R1 carrément. Oui, il repart loin, très loin. Alors, donc au niveau des temps, toujours on a 6 dixièmes entre Vortex et Grim Chris, 4 dixièmes entre Thierry et Grim Chris, donc on a, c'est très serré, hein, sur le trio de tête. On a déjà une seconde 4 à la PK derrière, c'est Christophe Suarez qui est là, on voit l'écart là avec Thierry. Alors, c'est bizarre que les voitures disparaissent là par contre devant là. Et alors derrière, on a un gros trou, 6 secondes pratiquement, c'est Babet. Et alors plus en arrière, si on remonte sur Pierre à la P14, Pierre, Gollum et Pierre-Yves devant. Et on a Ton Schmax en bagarre avec Emmanuel Jabrin là. Hein. Alors on peut aller voir Jabrin, Ton Schmax effectivement, alors que Grim Chris vient de faire le meilleur temps, 1:33.197. Et Jabrin est passé, hein. Et Jabrin est passé. On va aller voir là, c'est pareil, quatre autres pilotes, Frogger, Pierre, Gollum et Pierre-Yves. Frogger. Qui nous avait offert de belles bagarres sur la première manche sur le Bugatti d'ailleurs. Donc je suis sur les trois premiers là, Vortex, Grim et Thierry. Ça se tient, hein, dans la seconde ils sont là. Hein. Oui, ils roulent depuis le départ toujours dans les mêmes, à peu près les mêmes temps avec les mêmes écarts. Ça s'observe. Une 33-6 dernier tour, une 30 pour Vortex, soit une 33-4 pour Grim Chris, une 33-4 aussi pour Thierry. Donc d'ailleurs, je vois que Thierry, ouais, là, il est. D'ailleurs, Vortex fait bouchon. Hein, et... Oui, oui. Il va falloir qu'il s'enlève. Hein. Il va falloir faire sauter le bouchon. Hein. Avec Grim Chris.
Oui, alors qu'à partir de la quatrième place, non, ça passera pas. Ça passera pas là, c'est un peu audacieux, ouais. Ouais, sur la tête d'épingle, ça passera pas là. Ou alors il faut vraiment être déjà sur le côté avant le freinage. Oui. Et Vortex était bien placé pour. Et puis c'est carrément audacieux. Alors après, oui. En portant l'attaque un peu plus haut, il y a possibilité, hein, une fois que la moitié de la voiture est passée. Oh, on a l'impression que Grimm il a glissé un tout petit peu là. Il y a de la glissouille là un peu. On va se mettre derrière avec Thierry. Salut Mini Bolide. Salut Mini Bolide. Ouais, t'as vu, lui il est marqué en rose. Aïe. On dirait Schbrenz. Notre ami Schbrenz. Il va en avoir une belle pour le GT3. Ouais. Il va être toute belle. Alors je comprends pas pourquoi on voit les voitures disparaître là de devant. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression de chez qui. J'ai vu Vortex disparaître de. Là voilà, on le voit plus. Alors que moi je le vois, à mon avis, tu dois avoir un petit souci avec ta connexion, non? Ouais, c'est peu. Ouais, pour. Bon. Peut-être. J'ai l'impression qu'il y a que RF2 qui déconne comme ça. Ouais, j'ai des lags incroyables. Bon allez, on va se faire une. Oh loulouloulou, on a trois abandons. Fred H, Thierry Daven et Joris. Ah. Y aurait-il eu. Attends, je crois que je peux revenir en arrière. Alors attends, je vais passer. Oui. Je vais passer sur ta scène du coup. Alors, je suis peut-être trop revenu. Attendez, hein, parce que je. Alors attends, je remets ma vue et on va. Tu me dis, on reviendra sur toi ensuite. Là, ça doit être bon là. Alors je repasse. Hop. On est sur Thierry là. Oh, ça vient frotter un peu. Oh là 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 là. Oh là oui, oui. Alors, ils se sont emmenés tous les deux dans le rail là. Si j'arrivais à avoir une autre. Est-ce que je peux revenir en arrière ou pas? Voilà. Et. Oh, ça. Je suis désolé, je cherche un peu les touches encore. Oui, Mini Bolide, Grimm Chris, CP2, ouais. Et il a signé le meilleur temps. Donc là, on est sur. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah oui, ouais. Michael Salco s'est. S'est rabattu. Il n'y avait plus de place là pour passer, et du coup. Bah... Voilà, donc du coup, c'est trois abandons, hein. Joris, Thierry Daven et Fred H. Et qui c'est qui est passé tout droit là en jaune là? Alors, franchement. Je sais pas alors. Qui était le jaune, mais alors. D'accord, fait... on a pas vu. On va remonter un peu le classement. On a. Ah, je vois que Alex est arrêté aussi à son pit. Donc pour le coup, 27ème, hein, c'est R1 qui ferme le classement pour l'instant. Abandon de Babet. À l'instant, abandon de Babet. Là, c'est, alors, c'est l'hécatombe. On peut retourner essayer de voir si on voit quelque chose. Alors du coup c'est Mano Grimlini maintenant, P26, non ça vient encore de changer. On a au pit, trois voitures au pit, Alex et Nofrin et Mano Grimlini. J'ai rien pour Babet là, ça a pas l'air de vouloir voilà, marcher. Alors c'est peut-être un problème, un souci matériel, hein, il a peut-être eu un... Donc on a trois voitures au pit, on a quatre abandons déjà. Donc c'est bien R1 qui ferme le classement, mais cette fois il est 23ème. Don Schmax à la 22ème place, Michael Sacco 21ème qui lui a réussi à repartir après l'incident que Dams nous a montré là au replay. Grincheux 20ème. Alors Jabrin qui a fait un très mauvais départ, hein, qui est parti finalement en fond de classement après avoir fait un des meilleurs temps au qualif. Il est quand même 19ème maintenant. Juste devant lui, c'est Titum qui est en train de nous faire un drift magnifique.
mais qui vient de se faire passer, ça lui fait perdre la 18e place. 17e Olivier Vignon. Ouais, quel début de course, JCM, ouais, c'est clair. Très agité, hein. Damumu, 16e, lui aussi qui partit en glisse là sur les vibreurs à moitié. Rino, 15e. 14e Pierre. On a Begby à la P13. Pierre-Yves remonte bien. Oui, il a l'air de remonter. Ouais. Oui, il est P9, Pierre-Yves. On va arriver sur lui dans un instant. On a Neom à la P12, Frogger 11e. Et donc devant, on a en bagarre Gollum 67 et Pierre-Yves justement. P10 et P9. Ça tourne à 1.35 hein, pour les deux. Max B qui est 8e. Là on a des écarts assez importants. On a 15 secondes là entre Max B et puis Miko. Nicolas Berger, il est 6e. C'est pareil, on a 11 secondes. On n'a pas vu, hein, mais Grim a pris la première place. Ah, Grim a pris la première place. Ah, dommage, on a loupé le dépassement de Grim. On peut essayer de revenir en arrière. Voilà, on peut essayer de nous trouver ça. Crevis 42, il est 5e. À 5 dixièmes de Christophe Suarez. Là, on a un groupe de 4 voitures. Alors non seulement Grim il a pris la pole, mais il met 1 seconde 3 à Vortex. Hein. Alors est-ce que Vortex a pas eu un problème hein? Ouais, justement, c'est ce que je suis en train de chercher. Déjà voir si j'arrive à le retrouver. Là il était derrière encore. Voilà, Crevis 42. 5e, il a Christophe Suarez là, juste devant lui, et puis devant Thierry et Vortex. Ah non, apparemment il le double à la régulière. Hein. Alors attends, je vais passer sur ta scène du coup. Peut-être trop revenu là ce coup-ci. C'est un peu catastrophique le replay de RF2. Ouais, c'est pas évident. Pas évident. Je crois que c'est par là, il me semble. Ah oui, il est sorti un peu large, Vortex. Ouais, il s'est loupé. Il s'est loupé au freinage. Ouais, carrément. Ouais. Et là, il relâche. Hein, là, on le voit là. Il reste côte à côte, mais il freine avant Vortex. Et du coup, là, Grim il s'est envolé. Il s'est envolé il y a 1 seconde 3, hein, mais bon. Alors, il a pas les mêmes pneus, flanc bleu et flanc bleu aussi, donc apparemment ça a l'air d'être les mêmes. Ouais. Ou je dis une bêtise. Je vois le mode, je sais pas, et j'ai pas le. J'arrive pas à avoir les infos moi sur les pilotes, quels pneus ils ont et tout ça. Ça marche pas mon bidoule. Alors attends, ah ouais, je crois que ça marche pas toujours, ouais, ça effectivement. Ouais, non. On a Pierre qui ça fonctionne pas. Il vient à l'attaque là, du coup sur Vortex. Hein, il est là. Hein. C'est Thierry. Pardon, Thierry. Thierry, oui. Excuse-moi. Ouais, on avait... Salut Ben, salut. Salut Ben. La voiture bouffe les pneus, oui. Oui, on avait constaté ça déjà au Bugatti. Ouais, elle bouffe les pneus. Nous, on a fait un peu avec la Extreme, énorme. Et comment l'Alpha, c'est pareil, hein, la 155, on a fait un open dessus et... Et je pense que ouais, sur le mode, il faudrait qu'ils envoient un peu leur gomard parce que la tendance à consommer. Oui, et toi, Ben? Bien, merci, enfin, merci. Moi, merci. Je vais bien. Hein, ouais, après, ouais. Oui, regarde, est-ce que j'ai l'air de pas aller bien? Et les autres, encore moins. J'en sais rien du tout.
Allez, on va vous chercher une petite bagarre quand même. Bah hein, ouais, que, je suis en train là, j'ai Gollum complètement à l'arrêt. Ah, ah bah c'est Christophe DNF, Christophe Suarez, dommage, Christophe Suarez qui était, ouais, qui était dans, le groupe de, dans le groupe de tête, hein, il était de, à la P4 je crois, devant justement Crevice avec qui on était il y a quelques instants. Donc je suis en train de revenir du coup. Alors en revanche j'ai un petit souci, oh Thierry, abandon de Thierry, juste devant nous, vous avez vu, il est, on était sur Thierry et bim, on le retrouve au pit, DNF. Alors du coup... Qu'est-ce qui se passe? On a 4, on a 6 abandons là. Christophe, Christophe, qu'est-ce qui lui arrive à Christophe? On reviendra sur Thierry après. Oh là là, freinage, il bloque. Ah, il aurait cassé le moteur. Et c'est ce qui a dû, c'est ce qui a dû arriver à Thierry également, je pense, parce que il était en piste, on était avec lui, et puis d'un coup, bim. Thierry, je le retrouve pas. Thierry, il est là. Ah, alors attends, on est reparti quoi. Je peux revenir, non? Apparemment je peux revenir mais Thierry j'étais sur lui au moment où c'est arrivé, on l'a vu, je te dis il roulait normalement et d'un coup boum, on l'a vu au pit, donc on a 6 abandons hein. Ça fait beaucoup dans le premier quart d'heure de course quand même. Alors attends, je suis tu l'as ouais je l'ai mais on dirait qu'il vient hop là et il vient toucher Vortex apparemment sur un freinage. Alors c'est très étonnant parce que... Voilà, là, hop, il vient de pousser et hop, au pit. Donc peut-être souci de connexion, souci, ouais, souci peut-être, de quelque chose. Un souci de matériel encore une fois peut-être. Ouais, c'est possible, ouais, c'est étonnant là. Par contre, ça fait un sacré paquet de DNF. Hein, bah 6, 6, on voit 6 moi je crois. Ah non, 5. Ah, bah alors attends, je comprends pas. Est-ce que... Ah, Thierry a repris la piste. Thierry a repris la piste. Alors attends, c'est... Eh oui, oui. Je suis sur lui, là. Il a pris 2 laps. Et il a pris 2 tours, ouais. Bon. Bon. Donc maintenant c'est Manu Grimnini qui est dernier à la 26e place. 25e maintenant, voilà, c'est fait. On a Crevice, hein, Crevice à la 3e place. Hein. Oui. Et il est assez loin. Hein. Alors ça s'est bien creusé en tête de course. Hein. Il y a 3 secondes 3 entre Grim et Vortex. Alors il y a un truc un petit peu... bizarre, c'est que sur le tower il met une seconde et il me donne 3 secondes sur l'overlay. Je comprends pas bien. Rafraîchis-le peut-être. Ouais, je vais le. Allez, on a Max B là. Max ah bah B voilà, derrière, déjà. Mico. Voilà. On est revenu. On est revenu à la normale. Et là, on a Pierre-Yves aussi. Hein. Là, on a un petit groupe. Frogger, Gollum 67, Pierre-Yves. Là, je pense que là, on est dans le Neom. Ils suivent tous. Hein, oui, on a Gollum là. Oui, Gollum et Frogger, depuis un moment déjà, ils sont ensemble. Ouais, voilà, ouais, je sais pas, ça déconne un peu ce soir. Là. Après, faut pas trop lui en demander, hein, RF2. Oui. Wow, il est un peu capricieux, quoi. Voilà, surtout avec certains. Alors, je sais pas si c'est un mode là, manicourt, mais. Ouais. On a LSF Pierre, Dame Nunu et Emmanuel Jardin. Non, Dame Nunu,
Alors Damien, c'est les Sapir hein, qui ferme ce groupe là. Oui. On peut aller avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 pilotes à quoi, 4 mini bolide. Merci pour ton abonnement, mini bolide. Non seulement il vient commenter les courses avec moi attendant, et en plus il s'abonne quoi. Il essaie de faire son dams. Merci mini bolide. Merci beaucoup. Pierre-Yves, il gère bien les pneus. Il n'arrive à pas trop les consommer. Tiens, je vois Max là, Max B, on l'a pas beaucoup vu. Il est quand même 6ème hein, maintenant, Max B. Et c'est normal. T'avais intérêt, hein, mini bolide. J'avais vu que tu t'étais pas réabonné le prochain coup que je te reprenne en vocal. J'allais aller voir Hello des îles, moi. Ça allait pas traîner là. Merci à tous. Bon, messieurs, si vous nous offriez quelques dépassements. Ah, ça se suit là. Oui. Là, Max, le petit. Ouais, Max. Max B, Nico. Alors, ouais, je pense que là, ils sont dans le. Ah, on a une. Alors, je sais pas qui c'est un peu. Une voiture comme ça, qui c'est qui perdra autant de place. Thierry, apparemment. C'est Grincheux, je crois. C'était Grincheux, ouais, j'ai pas eu le temps de voir du coup. Non, on dirait R1. Apparemment, c'est R1. Ah, c'est R1 encore. Ouais, R1, ouais, il doit avoir d'accord. Un souci. Ah non, ou alors c'est drapeau bleu. Ah, peut-être, oui. Peut-être déjà des drapeaux bleus, oui, puisque R1 il est à un tour lui. Hein. Oui, ouais. On n'a pas montré, il est juste devant nous là, devant Olivier Vignon, c'est Titom. Tout à l'heure j'étais sur lui, mais il est tout seul comme un grand. Titom, ah, non, il remonte là, bien là. Il remonte ou alors c'est Olivier qui lui remonte de moi, à mon avis c'est plus Olivier Vignon hein, qui remonte sur Titom. Ouais, est-ce que devant. Ah ouais, on a 3 secondes 6 devant. Non, je pense pas que ça soit Titom qui remonte sur quelqu'un. Titom, fidèle à son milieu de classement à peu près. Il aime bien, lui, le milieu de classement. Il est bien, là. Il est toujours bien au milieu, lui. Merci d'être passé. C'est sympa. À bientôt. Ouais. À très bientôt. Alors, Jabrin... Ouais, Jabrin, 14e, oui. Ouais, 14e, ouais. Ouais. Je pense qu'il a profité un peu des arrêts au stand, là. On a eu une salve d'arrêts au stand. Plus un peu les abandons. Et il n'y a pas de voiture rose, non. Il n'y a pas de voiture rose. Là, il nous a fait Titom, il nous a pris un skin Nvidia. Oui. Ah, Olivier Vignon, là, qui se montre. Non. Il a tenté, mais ça n'a pas conclu. Alors après, je pense qu'il est compliqué à doubler comme circuit. Ouais, parce qu'on n'a pas beaucoup de dépassements, finalement. Non, c'est... Donc ça n'annonce plus, ça ne veut pas fonctionner. On a un petit groupe de 3 toujours devant, Gollum, Frogger, Pierre-Yves, hein, ça se quitte pas non plus à ce niveau-là. Ils sont 4, 5, même oui, plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, ils suivent là. Gros paquet, ouais. Le premier qui fait une boulette, il perd 8 places. Hein. Non, ça va être intéressant de se mettre en vue. On va se mettre en vue comme ça. Ça y est, Gollum qui vient de prendre la place à Neom. Ouais. Hein. Tout à fait. Il sent bien. Hein, j'étais pas sur lui exactement. Oui, c'est ça. Ouais. Gollum. Et puis devant, on a donc Frogger sur Pierre-Yves. Rêve 2, oui, c'est.
On a 9 secondes maintenant, 10 secondes ça y est, entre Grim Chris et Vortex. Ouais, ouais, Grim est. Là, Grim il s'est envolé, hein. Là, il s'est bien lâché. Ah bah, Vortex est au pit. Vortex au pit. Ouais. Bon, en même temps, on arrive à, pratiquement à mi-course. C'est vrai que c'est pas facile de doubler Titom, ouais. Alors, on a Neom. Neom, il doit consommer du pneu parce qu'il bloque énormément. Et là, je vois. Ouais. Ouais, je vois Vortex là qui descend bah, P12, hein, du coup, P13 même maintenant. Donc, changement provisoire du classement. Toujours Grim Chris à la P2, Crevice 42. Et c'est Nicolas Berger qui est maintenant 3ème. Avec non, des écarts Grim énormes. Chris 1er, Crevice 2ème. Oui, Crevice 2ème et Nicolas Berger 3ème. Mais avec des écarts énormes. Hein. Il y a 15 secondes entre la P1 et P2. Et puis 23 secondes entre la P3 et la P2. Et puis on voit encore le dernier tour à Grim et en 1.34.5, hein, ouais. Crevis en 1.35.3, il lui met presque une seconde au tour, quoi. Ça a bien levé le pied, hein, quand même. Ouais. Là, on est avec Max. À la P5, toujours sur Miko. Et comme tu dis, ouais, on voit bien qu'il y a peu d'endroits où finalement tu peux dépasser, quoi. C'est compliqué, ouais, sur les freinages. Mais alors après, si elle bloque un peu, je m'en rappelle pas, je l'ai essayé, mais je me souviens pas au niveau des freins comment elle était. Ouais. Mais ouais, peut-être au freinage, un peu plus au freinage, sur des freinages un peu plus appuyés, ça peut peut-être passer. On voit Gollum, hein, qui est dans l'arrière-train de Frogger, là, mais... Alors effectivement, on a deux bagarres... Max et Miko, ouais, là sur les avec qui je suis, et puis derrière Gollum et Frogger. Je vais rester sur Gollum et Frogger, je te dirai si. Voilà, et puis comme ça on pourra. S'il y a quelque chose. Intervertir. Ah, Gollum a fait une petite erreur là. Ah oui, je vois, sorti du virage là, ça, il a glissé un peu, il a repris du. Et puis entre les deux, on a Pierre-Yves. Hein. Oui. Pierre-Yves aussi, il aime bien être au milieu. Ah, ça y est, oh là là, Max, oh là là, il manque un aileron, il manque beaucoup de choses là. Là, Max. Alors, on va essayer de refaire un. Il va finir par déconner, mon RF2. Alors, on va passer sur ta vue, hop, rapidement. Attends, c'est bien Max, hein. Max, il s'est ressorti une nouvelle fois. Ah oui, mais c'est normal, il a plus d'aileron à ce que j'ai vu. Ouais, là, Max, il est bon pour le pit stop. Donc du coup, ah ça... Ah oui, il s'est fait pousser par... Alors, j'ai pas eu le temps de voir qui c'est qu'il y avait derrière. Par la numéro 40... 40 Petrona, là. Je sais pas qui c'est. C'est Pierre-Yves. Et Pierre-Yves. Eh ben, il est bien, Pierre-Yves. Il croit qu'il est sur Breakfast encore. Ouh là là, oui, Pierre. Oh, oh là, puis devant, ouais. Là, c'est pareil, ça sort très large. Là, on est avec Begby. Essaye, hein. On a Crevis et Nicolas Berger, hein, qui est au pit. On a Pierre-Yves au pit. Ouh là là, Dame Nunu au pit, pardon. Ouais, c'est la mi-course, hein. Hier, il reste 31 minutes. Salut, Fredash. Il reste 29 minutes. Ouais, mais par contre, je trouve qu'au pit, elles dansent bien les voitures. Ah, salut Fred. Attention, parce que c'est pas du ACC, ça se touche dans les pits. Max B, DNF. Ah, mince, qu'est-ce. Ah oui. Ouais. Pierre-Yves qui est toujours au stand. Là on est avec Michael Sacco, on va aller sur voilà, Olivier Vignon maintenant, c'est lui qui est maintenant dans les roues de Titom. Bigby, voilà, qui prend la P9. Et donc on a Alex, hein,
Alex Serin, là, on a... Alors, attends. Non, Alex... Alex est... Ouais, avec les DNF, d'accord, là, c'est... D'accord, ouais. Ah, oui, Grim. On a Grim qui est au pit. Voilà, on va voir. Ah, il ressort. Ouais, mais il... Ah là là, alors, il va pas ressortir juste devant... Je suis obligé Nico de et... refresh en permanente le... Je crois qu'il y a vraiment un problème avec ce mode, hein. L'overlay, il l'aime pas beaucoup non plus, hein. Alors... Si, il est ressorti juste devant Frogger et Miko, hein. Grim, pile. Pile poil, alors on va aller, ouais. On va aller avec Miko, tiens, Miko... C'est compliqué, ouais, avec tous les DNF, ouais. On sait plus trop où on est, ouais. Oui, puis je te dis, j'ai l'impression que le mode aime pas... Enfin, notre overlay aime pas beaucoup ce mode. Je suis obligé de le rafraîchir en permanence. Alors c'est compliqué, et en plus, je sais pas si toi t'as les indications, mais j'ai pas les indications des drapeaux bleus tout à l'heure. Alex, j'avais l'impression qu'il était en bagarre, mais... Je les ai pas non plus. Et je... J'ai en fait, ça, puis là, je devrais avoir 4 voitures devant moi et j'en ai que 2. Enfin, qu'une. C'est assez étonnant. Avec des temps aberrants. Ça. Ça déconne à max. Là, Olivier Vignon. Et sur Titom. Voilà. Je devrais avoir Grincheux devant, là. Mais alors là-bas il affiche 10 secondes. Alors là on... ça débloque, j'ai l'impression que ça débloque. Alors on a un groupe, hein, de 5 là entre Jabrin, Mikael. Apparemment il y a Olivier Vignon, Titom et voilà, et c'est Titom en fait qui est devant là et qui bloque tout le monde, quoi. C'est ça. T'es Olivier Vignon, non, il n'y arrivera pas. Je pense qu'ils sont arrivés sur un drapeau bleu là. Ouais. Là il est coincé un peu. Alors c'est Titom, ouais. C'est compliqué là, la ressortie là. Un drapeau bleu, bon. Voilà, ça laisse passer. Ça laisse passer. Par contre, là, oui, il faudrait qu'il laisse passer tout le groupe. C'est bien. Il a laissé passer tout le groupe, nickel. Et Jabrin, on a profité. Hein. Il est à l'intérieur. Ouh là là, le freinage. Et oui, ça a touché. Hop là, ouais, Mikael Sacco, ça retouche. Ouais. Mikael Sacco, ouais, parti. Ouais. Apparemment, ouais. C'est... essayer de faire un replay, mais là, tu dois pouvoir passer sur ma caméra. Ouais. Hop. Si j'arrive à revenir en arrière. Voilà. On va se mettre en board sur Jabrin. Il est là. Ah oui, ouais. Ça touche. Ouais. Ok. Alors devant on a un autre groupe avec un autre groupe de 3-4 voitures là, Begby, Neom et Gollum. Oui, et Pierre-Yves est-il ressorti des stands? Alors au stand pour l'instant on a Rino, ouais, qui vient de rentrer, et Pierre-Yves est ressorti. Là on est avec Begby à la P6. Et juste derrière Neom. Grim Chris, il tourne en 1.34.2, hein, sur son dernier tour. Contre 1.36.1 pour Frogger à la P2 à 6 secondes 5. 7 secondes 5 derrière pour Miko à la P3. Et 8 secondes 5 pour Gollum à la P4. Salut Brice. Comment vas-tu? Salut Brice. Alors non, Titom ne fait pas des meilleurs temps que Vortex, hein, ni que Dame Nunu, ni que LSF Pierre, ni que Nicolas Berger, ni que Emmanuel Jabrin. Non, en fait, il fait bouchon.
Salut Mili Bolide, merci pour ton abonnement encore. Merci beaucoup. À plus, salut Mili Max. Salut Max B. Ça y est, on voit Titom là. Titom. Olivier Vignon, il était mieux placé. Oulala, ça a dû. Ça tente là. C'est non, s'il est bien placé sur l'épingle, non, oui, c'est bon, il est passé. Il est passé. Non, enfin. Mais Titom, Titom, il est coriace, hein. C'est un coriace. Ouais. Je veux pas lâcher, mais le problème c'est que des fois ça va aller à la faute parce qu'il y a beaucoup de temps de différence derrière là. Ils vont avoir tous les rapides qui vont arriver. Ouais, d'ailleurs, ouais. Vortex arrive là, ça y est là. Ça fait beaucoup de monde, ouais, effectivement. Ouais. Alors Max B, on a Max B sur le chat. Malheureusement, abandon pour Max. Raconte-nous. Si tu peux, tu peux venir dans la cabine de commentateur si tu veux nous raconter un peu. Jabrin, non, c'est qui c'est, non, c'est Jabrin qui a fait une erreur. Et Olivier Vignon, hein, là, ça y est, le groupe des premiers, là, Vortex, Damien, oui. Nicolas Berger. Je suis avec Nicolas, ouais, justement, on va rester un peu avec lui, là, ce groupe de 4 encore. Ça reste groupé, hein, sur l'arrière du. Au milieu et arrière de classement, il y a des petits groupes, ouais, hein, ouais, ça se bagarre ouais. Pas mal. Et là, à mon avis, ça va. Ouais, viens, tendu, Max. Hein. Là. Y a pas de soucis. Ça va être tendu là derrière Titom. Ça va pousser là. Hein. Les premiers vont arriver. Ah bah Titom, il va pas faire le bouchon comme ça toute la course. Hein. Il va bien falloir. si, il a l'air, hein, il a l'air de vouloir, mais à mon avis. Il s'est dit, touchez pas à ma P9. Ah ouais. Ouais, jusqu'au moment où ça va s'agacer, ça risque de pousser. C'est ça le problème. C'est ça, oui. Des fois. Et ouais. Exactement. Des fois c'est un peu améliorant. Ah, et puis il y a Vortex, tiens, Vortex qui arrive là juste derrière. Là, oh, Vortex crash là dans la, oui. la ligne. Vortex qui a poussé en fait Nicolas Berger. Non, j'ai vu une voiture. Non, t'as vu une voiture ? Ah, ok. Parce que j'ai violette, vu. Qui avait une voiture violette ? Damumu, abandon. C'est Damumu. Damumu. Ah ouais. Abandon Damumu. Alors on donc on a Titom qui s'arrête à son pit. Ah oui, il était carrément à l'envers là. Alors, ouais, on a 7 abandons quand même. Hein. C'est. Ouais, ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup. Là, on a Vortex et Jabrin. Hop, je te laisse basculer quand tu veux. On est ouais, sur. C'est bon. Ouais, c'est Damumu. Ah, qui non, part, c'est, ouais, Damumu qui part Damumu la, qui part ouais, foot, ouais et voilà, qui emmène Nicolas Berger en fait. D'accord. Et puis devant, on a toujours la P4 maintenant, P4, P3, toujours Gollum 67 sur et Miko. Ah, eux, ils seront pas lâchés. Hein. Ils seront pas lâchés. Après, ils doivent arriver sur un. Sur des drapeaux bleus là, les trois là, c'est compliqué, il n'y a pas de nom, il n'y a rien. On a toujours Olivier Vignon hein, sur. D'ailleurs, Olivier Vignon, on voit, il roulait en 1.38 derrière Titom et il vient de passer en 1.36.05. Hein. Oui, 1.36.05, exactement, oui. Ah, ouais. Donc, oui, mais il prenait 2 secondes à Titom quoi. Et derrière, tiens, on va aller le voir rapidement là, Vortex. Vortex, lui, il est en il est remonté, 34, il est remonté, ouais, il y a un gros gap là. Il est remonté à le 10e hein, quand même, Vortex. Il a 21 minutes encore de course hein, pour. Il peut grimper encore. Hein. Avec, bon, toutes les difficultés qu'il y a pour dépasser, comme on le disait tout à l'heure, ça va être plus compliqué que sur un autre circuit, mais. Ouais, je pense que c'est. C'est assez sorcier. Ouais, Nico a pas eu de chance.
Après, c'est un peu, c'est l'effet de course, quoi. Là. Ouais. Le gars se met en vrac devant. Bah comme, oui, voilà, c'est t'es derrière. C'est un peu, c'est un peu inévitable. Ouais. C'est le karma. Ouais, c'est le karma. Ouais. Et voilà, tu vois, ça se vérifie. Hein, ça fait quelques minutes qu'on est maintenant avec Vortex et qui est pourtant plus d'une seconde plus rapide qu'Olivier Vignon et bah, malgré tout, il reste coincé derrière. Hein. Ouais, et derrière, ça revient d'ailleurs. On a Pierre et Jabrin là qui reviennent assez fort sur eux d'ailleurs. Oui, oui, bah là tu vas aller tous les avoir là. Et voilà, Rino, ça va se regrouper avec Rino et etc. Attends, non, ah non, c'est des drapeaux bleus, pardon. Alors attendez, parce que, oui, ils sont beaucoup plus loin en fait, Nicolas et. Avec tout ça, Titom il est descendu P17, Pierre-Yves P18. Là, on a un essai de dépassement où là, ça touche là sur Pierre. Je sais pas. Je suis avec Pierre. Je suis avec Pierre sur Jabrin. Sur Jabrin, ouais. Pierre est passé. Hein. Pierre est passé. P11 devant donc Gollum, Nico, derrière Neom et Crevice, 42 toujours. 4 voitures là. On a Jabrin là. Jabrin a perdu 2 places, 3 places. J'étais resté sur ta caméra. Ah, mais t'étais. D'accord. Oui, c'est bien, oui, on a. Course. Après, après, les commissaires, c'est à eux de dire ce qui s'est passé, mais ouais, c'est pas de chance sur ce genre d'action, hein, ça fait toujours rager, mais bon, ça arrive, c'est comme ça. Tant qu'un éléphant ou un mammouth ne traverse pas la piste, tout va bien. Voilà. Un manicour, ça serait pas mal quand même. Et Allez, je suis sur Pierre, du coup Pierre a pris un peu d'avance. Hein, et... Ouais, moi je reste pour l'instant sur Crevice parce qu'on a toujours ce petit groupe de 4 là. Et on a loupé le dépassement du coup de Vortex sur Olivier Vignon. Hein, Oui, mais ça de toute façon c'est une règle. Hein. Tu restes un quart d'heure sur deux pilotes et quand tu passes sur un autre, hop, ils en profitent pour faire leur petit dépassement. On va en profiter parce que les replays marchent sur RF2. Allez. On va essayer de le voir parce qu'on n'a pas beaucoup de dépassements. Alors je remonte, je te dis que je suis d'accord. Alors pour l'instant, on va revenir. Pour l'instant. On va rester avec le petit Crevice et Neom. Tiens, Crevice, hop, qui se montre là. Et voilà, je l'ai. Hein. Ok, allez, on y va, vas-y. Donc, il le prend à la chicane. Ah, c'est ce que je disais tout à l'heure, là. Il est bien, parce qu'il est juste devant hein, la chicane, du coup il est pas mal, il peut fermer correctement. Il était mieux placé, ouais. Ouais. Mais juste devant, d'accord, on n'a pas vu, mais alors c'est juste devant le freinage loupé de Jabrin. Hein. Enfin, d'accord, ouais. Il me semble, ouais, juste avant. Hein. Ouais, Vortex, il a quand même plus d'une seconde plus vite. Hein. Ouais. Et d'ailleurs on voit hein, Olivier Vignon, il est en 1.35.2 hein, maintenant. Hein. C'est ce qu'on disait hein, sur Titom. Lui, Titom était. Bon, Titom aussi vient de passer le 1.35.8. 1.35.8, ouais. Tiens, on va d'ailleurs aller voir un petit peu Pierre-Yves qui est en train de se battre avec lui. Même s'il y a 9 dixièmes entre les deux. Alors, on a aussi un gros groupe là, hein, Miko, Gulum et Neom. Hein. Oui, bah, les 4 là avec lesquels j'étais. Et Crevice 42 aussi. Et hein. Crevice, ouais. Bienvenue à tous, ceux qui arrivent sur ce live, merci de nous rejoindre, c'est alors, la manche 2. Qui arrive à pousser Max B, non ouais, c'est ça, il s'est arrêté au stand tout de suite derrière, donc je pense qu'il avait pas mal de dégâts.
à crevisse, hein, qui commence à se montrer dans les... Oui, dans oui, les oui, il commence à s'impatienter un petit peu. Il voit le temps passer, on va rentrer bientôt dans le dernier quart d'heure déjà, hein, de la course. Et il voit la P3, hein, la voiture blanche là-bas, c'est la P3. Hein. Ouais, il y a tout un c'est groupe. C'est le podium, là. Donc c'est tout un groupe bien, bien compact et en tête de classement qui plus est. Donc, 4, 5, 6, 7, ils sont pas si loin que ça. De... Là, la moindre erreur d'un des 4 là. On a vu Gollum là faire un petit. Sortir une. Partir un peu large. Ça coupe, toujours, hein. Ça coupe sérieusement les. C'est très animé, je sais. Ça y est, Nicolas et Crevis. Chabrin là. Et alors, j'ai. Ah non, ça passera pas là. Alors, apparemment, c'est pas passé pour Nicolas, là. Nicolas Berger. Oui, sur Nicolas Berger, sur Chabrin. Mais alors là, il y a vraiment Crevis qui se montre très très pressant. Ou bien là, non. Begbie qui est arrêté au pit. Alors là maintenant c'est derrière c'est Titom est en bagarre avec Grincheux. Ah bah c'est le deuxième. C'est le deuxième nain alors Titom, c'est ça? Ouais. Grincheux, Titom et après qui c'est qui a? Pierre-Yves. Alors j'hésite à changer. Rapidement on va aller voir quand même ce qui se passe avec Grincheux et Titom. C'est on a Nico. Ah là il est collé au pare-choc là, il doit respirer ses échappements là. Se mettre en vue embarquée de Crevis ouais. Si j'y arrive. Ah ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. C'est en train de passer pour Grincheux. Voilà, Grincheux qui vient de prendre la P15 qui était occupée par Titom. C'est fait. On va retourner ouais sur notre groupe de 4 là, Crevis, Neom, Gollum et Miko, même si Miko il a un petit peu distancé quand même. Ah et les 4 se battent donc ils perdent un peu de temps. Oui. Roule pas comme Grimkris lui est maintenant à 16 secondes devant Frogger. Ouais, 16 secondes ouais, on va attendre la fin, on fera tranquille. Le tour embarqué avec lui dans son dernier tour. Tranquille, il tourne en 1.34.9. Gentiment. Ouais, c'est une horloge, hein. C'est une horloge. Et puis en plus, salopard, il vient de prendre la VR. Ouais. Là, je voudrais pas être à la place de Miko. Hein. Il doit sentir la grosse pression, première erreur, il perd 4 places. Il perd 4 places et puis avec le risque d'emmener tout le monde quoi. Ouais. Et on a une attaque hein, de Gollum. Et bah sur Miko d'ailleurs. Est-ce que nous avons Gollum fait il est passé, Gollum. Il est passé, ouais. Alors c'était juste dans l'axe là, juste devant et on n'a pas vu. Mais on s'endort sur les. Alors attends, c'est pas fini, on va aller voir Miko. Gollum qui vient de passer donc P3 effectivement. Alors il l'a passé à la régulière. Oui, sans... oui. Et
pas l'impression qu'il y ait de soucis. Vortex, hein, qui est, je le suis toujours, hein, qui est remonté 7ème quand même. Hein. Ouais, ouais. Et il se bat contre le chrono, lui. Et on a Miko et Neom là. Ah, ça. Bon, il peut frotter. Ah, ça joue forceps, mais bon. Alors, Pierre-Yves est revenu. Pierre-Yves est revenu sur Titom. Je sais pas ce qu'ils nous font là dans le fond du classement. Oh Thierry, il est oui, descendu 23. Pierre-Yves sur Titom. Je pense que du coup, Neom et Crevist vont en profiter là. Hein, sur... Oui, oui, on va surveiller. Pas bien plus rapide. On va essayer de montrer tout le monde. Il y a Nicolas, Berger, Jabrin, là je vois aussi. Ça croise, ça décroise, ils ont les mêmes livrées, tiens. Jabrin et Nicolas Berger, ils se sont dépassés deux fois là en quelques secondes. Pas facile d'être partout. Ouais, parce qu'ils s'excitent à la... quand il reste 7 minutes. Ouais, ouais, on arrive bientôt là, 10 minutes j'ai moi sur mon chrono. Ah, j'ai 7 moi. Comment ça se fait que t'as 10? Moi j'ai 10 sur mon tower, ouais. Rafraîchis-le. Incroyable. Allez, on rafraîchit encore un coup. Et avec des lags énormes. Ah ouais, 6 minutes 48. Ça a déconné complètement. Ça a déconné complètement ce soir. Ah, et puis il m'affiche plus que. On a une attaque de Neom, hein. Neom sur Miko là, ça y est. Non, il est pas passé. Et donc, il m'affiche plus que 10 pilotes, mon overlay, donc c'est très intéressant. Et là, t'as des gros lags là. J'ai des gros lags. Bah, je crois que les mods, il va falloir se calmer. Hein. Ah, c'est marrant, j'en ai pas moi là. Il va y avoir quelque chose. Oui, tu vois, il m'affiche maintenant, il fait une rotation de l'affichage, je sais pas pourquoi. Ouais, essaye de l'enlever l'affichage, tu peux l'enlever ? Alors ce serait l'overlay qui ferait... Ça a l'air, ouais. Encore, ça... Alors attends, il y a une solution à ça. Alors on a Crevis, Neom et Miko là. Hein. Miko il veut pas laisser sa quatrième place, il a déjà perdu sa troisième place. Neom s'est fait attaquer par Crevis, ouais, là, c'était juste là. Neom est dans les échappements de... Alors, attends, j'essaie rapidement de faire un truc. Tout Tout éteint. J'essaie rapidement de vous faire un truc. Un bidule. Alors ça va m'afficher ça n'importe comment. Je suis désolé, hein, vraiment désolé. Le streamer est rec pendant la course. C'est une folie furieuse. Hein. Alors là, on a un double affichage qu'on va enlever celui-là. Et voilà, on devrait être pas trop mal. Et sans trop de lag. Ah oui, alors ça fait que moi j'ai plus. Ouais. Okay. J'ai plus le visuel sur le jeu. C'est pas bien grave. On arrive en fin de course, 4 minutes. Hein.
Travis, Neom, Miko. On a Pierre, hein. Pierre aussi, là, il a Nicolas Berger aux fesses. Il est sorti large après la chicane de. Avant la chicane de. À la chicane avant la ligne d'arrivée, pardon. D'accord. Je vais pas y arriver. Et ils sont quatre là, hein. Nicolas, il y a Rino et. Brun, non non, plus Javrin, il vient de rentrer au stand. Et puis on a toujours là, aussi Pierre-Yves et Titom. Hein. 40. D'accord, c'est Alex. Alex qui va unlap, non, qui va unlap personne. Si, qui va unlap. Essaye d'unlap Rino. Rino. On a 8 abandons. Hein. Oulala, et Manu Grimnini, on n'a pas vu, hein, mais la RS01, elle a un problème. Hein. Alors, voyons ça. Quelques... Ah ouais, Manu Grimnini, ouais, qu'on n'a pas beaucoup montré. Hein, on n'a pas beaucoup montré sur cette course, mais ouais. Là, effectivement, il est 19ème, Manu Grimnini. Et Pierre-Yves, hein, Pierre-Yves, pardon. Thierry qui a été, ça a été la descente aux enfers. Hein, ouais, ouais, problème, tout à fait. Ouais, ouais. Thierry à 20, ouais, 22e, bah, c'est lui qui ferme la marche maintenant, hein, Thierry. Ouais, ouais. Thierry, il est juste derrière Enofra. On a R1 20e, donc Manu Grimnini avec sa voiture toute cassée. Alex aussi, hein, qui a pas fait une très, très belle course. Hein. Alex, 18e. Bon, il a jamais été très bon, Alex. Mais bon. Il est à un tour, Alex, derrière Tonchmax. Tonchmax, 17ème. Et puis devant, nos deux compères, là, hein, Pierre-Yves, Titom. Qui se suivent encore, ouais. Ils se suivent encore. 15ème, 15 et 16. Michael Sacco, 14ème. Alors toujours en bagarre devant Grincheux et Jabrin. Ah ça, ça rame hein, quand même. On a Gollum, hein, Gollum 67 qui arrive dans les échappements de Frogger hein, pour la deuxième place. Hein. Oui, 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 oui. On va remonter sur la tête de course. On a Rino à la P11, Nicolas Berger et Pierre, ouais. 9 et P9, P10. C'est pareil, c'est proche, hein, 4 dixième. Begby. P7, on a Vortex. Voilà, non, là c'est pas possible, c'est lag là. 6ème, donc Crevis à la P5, Neom, toujours ce même groupe. Nico, P4, Gollum et puis Frogger, ouais, à la P2. Pierre-Yves et Grincheux, non, en fait, c'est le skin, hein, je pense. Hein, attends. Pas de regarder, mais c'est vrai qu'on n'a pas fait gaffe tout à l'heure. Mais si, oui, t'as raison, on a Pierre-Yves, on a. Alors, Alex. Pierre-Yves, il a un numéro 40, et tu disais Grincheux. Mais on a plusieurs numéros 43 aussi, hein. Ouais, Grincheux, là, oui, effectivement, ils ont le même numéro, ils ont le numéro 40 tous les deux, ouais. On avait Thierry Daven, on avait. Donc ça a l'air fini, hein. Ouais, même Alex, ouais. Ouais. Ça a l'air fini, je vois que Grim roule. Hein. Oui. Alors que moi, le jeu m'affiche toujours une minute, mais bon. Non, non, moi je suis à 0-0. Incroyable, ça. Bon. Je suis à 0-0 ici et je suis à une minute sur mon truc. C'est.
Là, ce soir, ça n'aura pas été terrible pour nous. Non, il n'y a pas de skin perso, ouais. Tout à fait. Oui, oui, il n'y a pas de skin perso. Non, ils n'ont pas voulu le faire sur... Bon, après, c'est normal. Sur une Summer Cup ou Sun Cup, Summer Cup. Ouais, 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 tout à fait. Alors, si l'overlay de la voiture de Grimm est réel, il lui reste 45 litres. On va voir si... 45 litres, ouais. C'est... Oui, dans un autre temps. Ouais. C'est... Dans un autre espace-temps, ouais. Ouais, ouais, là... T'as raison. Alors, j'espère que je vous affiche le bon classement. Bah on peut faire le truc, hein. Grimm, Frogger, Gollum, Miko, Neom, Vis, Vortex 56, Begbie, ouais, Pierre, Pierre, Rino, FRX, Nicolas Berger, Jabrin, je sais pas, c'est un E, Emmanuel, ou... Ouais, je sais pas, oui. Ouais. LSF Grincheux, FCR, Mikael Salko, LSF Titom, LSF Pierre-Yves, Tonchmax, donc ouais, Alex, Mano Grimlini, R1, et Nofra, ouais. Et Thierry, LSF Thierry. Voilà, et le reste, donc, des abandons, malheureusement, hein, de nombreux après, abandons. Hein. Ouais, 8, abandons, Olivier, ouais. Vignon, d'ailleurs, qu'on n'a pas vu, tiens. Non. Ah non, je confonds avec un autre, pardon. Dame Nunu, Max B, Christophe Babé, Fred H, Thierry Daven et Joris Lordel. Voilà, qui a été donc le premier à nous quitter, malheureusement. Voilà. À nous quitter ce soir. Bon bah voilà, ça a été un petit peu chaotique, hein. Désolé, désolé pour ces moments un petit peu difficiles au niveau du live. Je pense qu'il y avait un problème avec le mode. Hein. On essaiera de faire mieux la première fois. Merci à tous d'être restés avec nous. On va essayer de vous emmener quelques streamers ont la gentillesse. Notamment hier de faire un petit raid. Alors on va essayer d'aller pour ceux qui voudraient rester avec nous aller voir quelqu'un qui fait aussi du RF2 par exemple, hein, et puis on va vous emmener on va essayer de trouver un français quand même. Il n'y a pas grand monde ce soir. Il n'y a pas grand monde en France. Nous, on se retrouve quand au niveau... De... Bah, là, de toute façon, on sera sur Nogaro, hein, déjà dans deux semaines pour la manche 3 de cette Summer Cup. Au niveau SRT, bah, ce ne sera pas la semaine prochaine, malheureusement, parce que je ne serai pas là pour la troisième manche de la Sun Cup à MS2 en V8, si elle a bien lieu. Je pense pour l'instant, elle a toujours lieu, hein. Oui. Ah, elle n'est pas voilà. Et puis elle n'est pas annulée. Et puis voilà, on se retrouvera après. Après la semaine d'après, nous c'est du ACC avec la Stone pour le mercredi. Salut Pierre-Yves. Salut Pierre-Yves. Et le jeudi, c'est la Summer Cup avec la RS01. Oui, voilà. Voilà. Eh ben, on va cool. Commencer à arriver mi-août, les vacances bientôt finies, et puis tout le monde au boulot. Et voilà. Ça vous fait plaisir bon. C'est comme ça. Bon, je ne vous trouve pas de stream intéressant en français pour vous emmener faire un petit raid sur la chaîne d'un collègue. Bon. Si on a tiens du GTE LMP3 je crois aller voir Mills Gamer, allez on va aller vous emmener, puis on va arrêter le, on va lancer un raid sur la chaîne de Mills. Je t'abandonne par là, Plonk. Bah écoute, merci Dams, et puis on se dit tous à très bientôt. À bientôt, ouais. Salut, salut. Et ciao.
User left your channel. Il semblerait que notre ami ait coupé son live au moment où je lançais le raid. Donc, bah, désolé. Allez, salut tout le monde. On va